On pensait avoir tout vu, mais en fait non. On découvre que le fiasco est total au Stade de France, puisque donc les images de vidéosurveillance de la finale de la Ligue des Champions ont été supprimées dans le délai de 7 jours, délai légal. C'est à la limite du scandale, hein. C'est ce que dit l'invité de RMC ce matin, le président de la commission des lois du Sénat, François-Noël Buffet. Et le maire de Liverpool, qui était auditionné hier par cette commission des lois du Sénat, ne revient pas. Écoutez-le avec la traduction. Je ne peux pas du tout comprendre pourquoi, alors que cet événement était aussi important et qu'il faut quand même savoir ce qui s'est passé, il est important de recueillir l'ensemble des preuves. Et si ces images ont été écrasées, eh bien ça montre très clairement qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème avec ce qu'on aurait pu voir sur ces images de vidéosurveillance. Et je suis véritablement choquée, pour être honnête.